Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse, chers amis. Donc, on va reprendre les quêtes secondaires. Je vous rappelle qu'on doit, pour avancer dans les quêtes principales, avoir 15 médailles pétées. Ce qui veut dire qu'on va devoir se faire énormément de mal pour atteindre nos objectifs. Le point de la justice. Oui, c'est vrai, il n'y avait rien d'intéressant au niveau des missions. Ok, bon, on va commencer par l'attaque des cyborgs, on va y aller petit à petit. On va se faire l'XP, les objets, tout ce qu'il faut qu'il y aille avec, jusqu'à obtenir ce qui nous intéresse, et on verra bien. Il me semble aussi qu'on a une quête de portail à faire au niveau alors on va prendre des gens avec nous, hein. Maintenant je m'embête plus. J'avais bien vu. Hop, voilà. Crac, je lance un chrono quand même, pour être sûr de la durée de l'épisode. Ça se passe bien, ça se passe bien. Bon. Ça va bien se passer. C16, C17 et C18, ok. J'ai l'impression que le roster est moins imposant dans cet épisode-là. En plus, donc le jeu n'est vraiment pas... franchement, ne l'achetez pas au prix complet, chers amis. Achetez-le avec un rabais, ça fera franchement plaisir à votre porte-monnaie et il mérite pas les 60 boules qu'on peut mettre dedans. Soyons clairs. Il les mérite pas du tout. Il y a très très peu de travail qui a été fait dessus finalement. Hein. Je trouve. Hein. C'est du réchauffé, chers amis, tout ça. L'histoire, elle me semble bâclée, pardon. Hop, raté. Ah. Hop, dégage. Flia est toujours aussi mauvaise. Ah, raté. Les frames d'invincibilité toujours aussi présentes et toujours aussi exploitées par le jeu et par ses IA d'ailleurs. Les IA adverses sont souvent OP. Les IA alliés sont souvent capables de briser un combo sans la moindre vergogne, sans le moindre soupçon de culpabilité. Hop, c'est fini. Ah bah non, même pas. Ok. Hop. Oh. Quel dommage. Hop, et c'est fini. Ah, bon. V'là Piccolo. Tu seras parfaitement mort quand j'en aurai fini avec toi. Ah, joli. Oh, oh, la grenade de lumière. Vlouf. Raté. Boum. Hop. Oh. Et comme vous pouvez le voir, le placement de certains combos est tout simplement irréalisable. On a pu le voir dans un épisode qui a été complètement chié pour avoir un pauvre combo de tutoriel. Voilà, par exemple là l'ulti qui peut pas passer parce qu'il met une demi-heure à le lancer. Hop. Voilà. L'IA qui n'a aucun intérêt pour moi. Et c'est fini. Fin ultime. Ah, c'est bon. Crac. Eh ben écoutez. Pourquoi pas. Ça me fait toujours 7 points. Tenue de C18, tenue de C18, les gants et les bottes de C18. C'est con, je joue un personnage masculin. Pas de bol.
Alors. Ouais, alors Krilin, alors. Ah, un événement chez Capsule Corp. Ça, ça m'intéresse. Alors, est-ce qu'il y a, en fait, au passage, est-ce qu'il y a de nouveaux maîtres? Est-ce qu'il semble y avoir de nouveaux maîtres? Apparemment, non. Capsule Corp, c'est ici. Ok, on y va. Hop. Vegeta qui veut se la mettre encore? Pourquoi pas? Ça nous rapporte un ou deux pétés. Yo, ah, c'est Vegeta. Vegeta, mon ami, Vegeta, que t'arrive-t-il? Vegeta, arrête de végéter. Ainsi te voici enfin. J'ai l'impression que tu as beaucoup travaillé. J'ai ressenti ton ki jusqu'ici, je ne suis pas surpris par ta grande force. Ainsi sont les Saiyans, après tout. Ça vaut donc la peine de t'affronter, tu le comprends, n'est-ce pas? Moi aussi, je me suis bien entraîné pour ce jour. Je vais me servir de toi pour tester ma puissance. C'est un combat entre Saiyans. Entre super guerriers. Entre super guerriers. Je reconnais tes compétences guerrières. Je vais t'écraser de toute ma puissance. J'espère que tu es d'attaque. Oui. Bonne réponse. Je savais que tu en étais capable. Je te félicite pour avoir atteint le même niveau qu'un prince Saiyan. Qu'un prince qui se. Ouais, je sais pas comment ils s'appellent. Je suis le prince des super guerriers. Si c'est ça, des guerriers. Non, je sais même pas. Mais au final, c'est moi qui gagnerai. Allez, montre-moi tout ton talent. Oui, bah écoute, je vais te rect. Et je vais gagner que Puik. C'est parce que j'ai atteint le niveau 50, peut-être? Ah, oh, tu es tellement belle. Boum, 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 boum. Ah! Non. Bien joué. Hop, dégage. Ah! Oh, c'est joué à une... Oh, bien joué. Oh, bien joué, la chope. Bien joué. Vous voyez, là, c'est pas trop popé. Là, par contre, c'est chiant. Ça sert à rien de pouvoir cancel un coup si... on peut tout simplement le... Oh, non, non, non. Non, je suis pas d'accord avec ce qui se passe, là. Je peux pas être d'accord avec ce qui se passe. Parce que forcément, lui, il me... What? J'aurais juré que c'était moi qui avais le coup. Oh la vache. Le mec il me cale. Allez, à mon tour maintenant. Vegeta! What? Oh mais non. Hop, voilà, à mon tour maintenant. Hop, voilà. Hop, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, Vegeta? Crac, boum. Voilà. Ça, c'est fait. Adieu, Vegeta. Non mais oh, faut se calmer. Au bout d'un moment. Hop. Tenue d'élite Capsule Corp. J'ai peur de ce que je vais avoir, mais on verra bien. Oh, on verra bien. Souvent, quand c'est multicolore comme ça, il faut pas s'en demander quelque chose de magnifique. C'est impossible, j'utilise ma puissance. Je ne pensais pas être battu, même par quelqu'un de ma race. Peu importe, je reconnais ma défaite cette fois. Mais tu verras, la prochaine fois, c'est moi qui l'emporterai. D'ici là, entraîne-toi bien. Tu es numéro 1. Oui, effectivement, je suis le numéro 1. Il m'en faut 15, j'en ai 11. On peut le voir à droite, chers amis. Modifier l'équipement. Tenue d'élite niveau 1, du coup. Oh là là, quelle horreur. Non. Non, 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 je ne m'abaisserai pas à ça. Désolé. Excusez-moi. Hop. Je ne m'abaisserai pas à ça, c'est hors de question. Non, non, non. Ah, il y a du bleu là-bas. Ah, les trous du cul. Les trois trous du cul. Je sais pas si j'ai envie de les affronter. Honnêtement, je sais pas.
Je sais pas si j'en ai envie parce que je sais que je vais me faire rect encore. Faut que je mette les objets. Passage. Parfait. Vas-y son. On y va. Je vais encore me faire rect à 3 contre 1. Pouah. Allez. Motive-toi Marcus. Tu vas y arriver. Oui, c'est là. J'entends vos encouragements, chers amis. Je sens toute la puissance de vos encouragements en moi. Ah, je vais pouvoir jouer avec autre chose que mes mains. Dit comme ça, c'est très bizarre. Bref. Alors, de mémoire, il faut que je les verrouille d'abord. J'avais oublié ce détail. Oh non. Ah la vache. Ah la vache. Non, 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 hé. Oh. Oh putain. Oh la vache. Mais putain. Cassez-vous. Mais putain, mais je peux même pas changer de cible. Oh non. Alors là, je suis pas d'accord du tout. Putain. C'est même pas... C'est même pas juste. C'est même pas juste. Ah, il m'attend à la chope en plus. Seriously? Ah, bien sûr. Hop, et de 1. Mais bien sûr. Hop. Oh la chope. Hop les. Allez Marcus. T'as utilisé moult objets pour en arriver là. Merde. Voilà. Et le dernier. Et le dernier maintenant. Hop. Pas comment ils font pour placer leur hop leur garde ultime en plein milieu d'un combo, honnêtement. Oh non. Hop, merci. C'est à prendre à me charger dessus bêtement. Voilà, fin. On a enfin réussi cette mission, chers amis. Pouah, c'était pas sans difficulté. Hein. Ah. Bah, j'espère bien que j'ai un niveau supérieur. On est même deux, bah tiens. On aura chié, on en aura chié. Krilin, ouais, bah, j'en ai rien à faire des cours de Krilin. Pardonne-nous, j'en supplie, on ne te dérangera plus jamais, mais je ne fais que pas... Non, je vais même te donner tous les dénis que j'ai jamais volés. Quoi, tu n'en veux pas? Si, j'en veux bien. Mais merde.
J'ai refusé des zénis? Seriously? Ok, je suis full ici. Ce qui veut dire que j'ai plus qu'à mettre des points quelque part. Hop, on va faire moyen ici. Crac. Et on verra. Bon, ok. Ok! Hop les. Bon! Ça nous a pas rapporté la moindre pété, je crois. On s'est fait avoir. Ce n'est pas normal. Si, il y avait une... Voilà, elle est là-bas. Elle est là-bas. Et il me semble que c'était contre Slug. Mais un Slug qui apparemment était complètement pété, une fois de plus. Hein. Mais est-ce qu'à force ça vous étonne, chers amis? Je ne crois pas. Hop. Bah, Slug. Hors ligne, c'est pas grave. On y va. On va rigoler. Ça va être drôle. Non, non. Bah oui, on va prendre mon personnage, tant qu'à faire. Vu que je tape maintenant comme une brutasse. Ah, j'ai pas eu le temps. Ah. Build the wall. Hop. Aïe. Merde, tous mes alliés. Boum. J'ai bien touché quelqu'un, non? What the... Oh, faut pas exagérer non plus. Oh non! Hop! Hop, parfait! Oh non! Bien joué, la chope. Ça, c'était propre. Allez! Hop. Normalement, il est pas KO. Parfait, il est pas KO. Je me fais rect. Ok. M'aidez pas surtout. M'aidez pas surtout. Non 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 non. Hop. Bon, on récupère un petit peu nos copains, c'est cool. Effectivement, effectivement, cette mission est dure. Hein. Hop. Merci. Ok, de deux. Bien sûr. Hop. Ah merde, je suis contrôle mental. Enfin, je suis dans le contrôle mental. Ok. Je sens qu'on va crever.
T'es sérieux? Non, non! Bon, bah, on est mort. Ok. Alors, est-ce que nos copains peuvent venir nous aider ou pas? Je ne sais pas. Merci. Je sais pas si je t'aide toi, est-ce que ça va changer quelque chose? Ok, merci. C'est quoi cette musique de Star Wars dans le... Non, 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 bon, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez venir m'aider? Et je vais être transporté. Bon, je vais être transporté dans le monde à la con. Pourquoi pas? Oh, bien sûr. Ah! Vas-y, viens. Boum, dégage. Ah! Parfait. Hop. J'ai toujours rêvé de me taper moi-même. Voilà, c'est fait. Ça prouve à quel point je suis faible. Dégagez de mon chemin! Je sais pas qui est KO, qui fait quoi. Je sais même plus ce qui se passe. Oh non! Mais non! Ah! Il se fait recte là par contre, hein, je veux pas dire mais... Non! Tapez-moi! Tapez-moi! Tape-moi! Mais qui... Oh mais... Ce jeu des fois! Allez! Boum! Hop! Pourquoi j'ai plus de PV que je n'en ai pour de vrai? Et c'est fini! Merci! Autrement dit, j'ai pas de PV mais je tape fort. Ah, apparemment j'ai pas le droit à... Ah! C'est parfait! Hop. Hop, à mon tour de lui mettre quelques coups. Ah merde. Vous voulez bien me taper? Vous voulez bien nous taper? Non. Encore. Boum, dégage. Pas obligé de me frapper par contre, hein. Soyons honnêtes. Voilà. Je devrais pas avoir à remourir finalement. Oh! Ça c'est pute! Full power! Oh non. Merci les copains. Hop. À mon tour. Et je l'ai loupé. Fin ultime, mais on l'a eu quand même, c'est cool. C'est pas moi qui ai eu le dernier coup, mais on l'a eu quand même. J'ai rien à dire. Je suis premier. Bon bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Contribution 335. Bon bah c'est déjà ça le prix. C'est tout? Je fais un rang Z et tu gagnes à peine ça. Super Kenzan. Ouais, génial. Ah par contre, deux médailles. Ça c'est cool. Ça c'est... À proprement parler, super cool. On va regarder combien de temps il nous reste pour cet épisode, chers amis. Nous sommes à 24 minutes. On peut peut-être faire une petite quête secondaire. J'en ai rien à foutre de la maison du doyen. Vous m'avez déjà fait perdre du temps avec ça une fois. C'est nul.
Il n'y en a pas d'autres qui sont apparus au passage. Je vérifie quand même, hein, mais. Aloé, Kyume, ça me dit rien. Je suis toujours à la recherche de quelques quêtes secondaires, vous savez, chers amis, qui permettent de débloquer des pauses. Mais apparemment, il n'y en a pas dans le coin. Ok. Hop, bon, bah, quête. Quête parallèle, alors allons-y. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué? Le défi de Monsieur Satan. Bah, Vegeta, ni tout puissant, ni Piccolo, Jin ou Tenshinhan, tenue de Monsieur Satan. Oh, tenue de Monsieur Satan, ça peut être rigolo. Je suis toujours dans le cadre. Je vérifie quand même. Oui, je suis toujours dans le cadre, parfait. On y va. C'est parti, mon kiki. Alors. Hop. On va prendre avec nous un Gotenk. Ça peut être cool. Et avec. On va prendre. Tiens, bah, un personnage que apparemment je n'ai jamais pris. Couleur en forme finale. Voilà. C'est parti. Il n'y a pas de musique. Ne vous inquiétez pas. Le défi de Monsieur Satan. Bah, Vegeta. D'accord. C'est logique. On commence par Yamcha. Oh! Ah! Et dégage! C'est bon. Boum. Et prends mon Kamehameha dans le dos. Ça fait mal? Ça fait mal. Hop. Dégage et bouffe le sol. Merci. Au suivant. D'accord, c'est toujours pas Vegeta. Krillin! Ces deux chauves qui s'apprennent un terrain de combat en volant. Est-ce que ça commence pas comme une blague cette histoire? Hop. Ah vas-y, viens, je t'attends. Ah non, t'as pas d'intérêt pour moi. Boum, et par terre. Hop. Voilà. Joli, deux fois de suite, j'avais pas pensé à que tu le ferais. Oh là. Ça va venir vers moi, non? Ah non, même pas. C'est même pas après moi qu'il en a. Hop, c'est fini. Et normalement, voilà Vegeta. C'est ridicule, écarte-toi. Oh, il a utilisé un Big Bang et il est passé le sac. Bien joué. Hop, merci Vegeta. Hop, merci Vegeta. Merci Vegeta. Ah, quel dommage, j'ai pas réussi. Vegeta, tu comptes à un moment ou à un autre trouver du ki ou pas? Parce que là, mon petit Vegeta, tu es mort quand même, hein. Je veux pas dire, mais. Ah, bah voilà! Super Saiyan 2? Ça me ferait bien plaisir. Non, Super Saiyan 1. Dommage. Dommage, dommage. Dommage! Ce combat va quand même être très rapide. Et c'est fini. Oh non, il a survécu. Top la chope qui va te tuer. Voilà. Paf. Voilà, c'est mort. Je l'ai eu.
Et je l'ai eu avant les 30 minutes. Ce qui est... Oh, j'ai eu que ça! C'est dégueulasse! Ni Dieu, ni Tout-Puissant, ni Piccolo. Alors, il y avait dans le premier épisode, chers amis, une capacité de Namek, une super âme de Namek, qui permettait de régénérer la santé, et c'était juste complètement OP. Hein. Et du coup, est-ce qu'ils l'ont supprimé, ou est-ce qu'ils l'ont... Équipement. Consommer l'endurance au maximum. Ah, voilà. Vous voyez ? Active la régénération de santé. On va mettre ça. On verra bien ce que ça vaut. Question. Est-ce que ces choses améliorent ? Non, voilà. Ça fait quoi comme... Kiko a enchaîné. D'accord, ok. Bon, bah, pourquoi pas. Ok. Nous sommes donc à 14. On va en faire une dernière, chers amis. C'est pour... histoire d'avoir le... Comment le... La dernière médaille et pouvoir commencer dans le prochain épisode directement en... comment ça s'appelle ? Enquête d'histoire, pardon. Ça sera fait. On y va. Allons-y. J'imagine qu'il va être dans les 11h pour moi, chers amis. On est le lundi. Hein, je rappelle que je fais mes journées de tournage en début de semaine pour pouvoir avoir le temps de faire des lives le week-end. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. J'ai fait un live sauvage sur... sur Watch Dogs, il n'y a pas longtemps, et c'était vraiment sympa. J'ai vraiment fait que des conneries, j'ai pas fait d'histoire, j'ai fait que des conneries dans l'univers, et c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Donc bon. Hop. Tant qu'à faire. Et je pense qu'avec le fait que ça nécessite l'endurance à fond, je vais plus... je vais pas forcément être tout le temps avec... Je vais les trois rarement même, je dirais. Hop. Boum. Non, ça le tue pas. Ah bah il est mort quand même. Hop. Crac. Lui aussi. Hop, dégage. Le ciel, on y va. Ça en fait 3, non? 2 ou 3? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je crois que ça fait 3. Hop. Voilà, une bonne chose de fait. De toute façon, il suffit de rester appuyé sur carré. Oh. Voilà, problème résolu. Tu ne l'esquiveras pas, celle-là. Hop. Moi aussi, je t'attaque. C'est fini pour lui. Kakoizo. Vous avez plus personne à attaquer, les mecs? Bon, bah, on y va alors. Hop. Encore. Je suis désolé, j'arrête pas de dire hop, effectivement. Hein. C'est vraiment un problème qu'il faut que je corrige. Ah oh non, trois autres. Ah. Trois autres qui sont en colère contre moi, semble-t-il. Je leur ai rien fait pourtant. Hop. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, j'ai pas dit la dernière lettre. Ça compte? Non, ça compte pas. Hop. Ah, non. Non, faut que j'arrête de dire ça. N'empêche que j'ai pas l'impression que les coups puissants fassent de plus gros dégâts. Ça s'appelle coup puissant, mais ça n'en a que le nom. C'est joli par contre ça. Hop, c'est fini. J'ai encore dit hop. Les mauvaises habitudes, chers amis. Vous voyez ce que c'est? C'est chiant. Croyez-moi, c'est chiant. Alors, on y va. Crac. Fiouf.
Faut que j'essaie de trouver d'autres trucs pour pas dire le mot en à choper. Bonjour. Bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. J'avais toute ma barre d'endurance, je précise quand même. Oh la vache, oui, mais ça remonte dur à la santé, regardez ça! Ouais, c'est tenté que vous arrivez véritablement à préserver cette lancée. Et c'est fini. Oh! Tout ça pour me contredire. La chope. Bien joué. Crac. L'objectif, c'est d'essayer de récupérer toute la barre d'endurance. Voilà, et de voir la régène jusqu'où elle va. Ah, j'ai tout perdu. Tout ce que j'avais chopé comme endurance, je l'ai reperdu. Bon, c'est pas grave. Ah oui, il y a ça aussi que j'aimerais essayer. Voilà. Ça, ça fait mal. Bon, il doit en rester qu'un, il doit être assez grand normalement. Il est pas hyper agressif, cela dit. Voyons cette endurance. Je me suis pris un méchant coup. C'est vrai que ma santé remonte vachement. Regardez ça. Est-ce que je peux la faire remonter complètement jusqu'à devenir grise ou pas? Hop. Alors attendez, on doit s'approcher du niveau de santé max que je suis censé avoir. Dégage. Boum. Alors, la santé max. Marcus. La santé max. Voilà, donc on peut la rattraper. Ah, je l'ai loupé. Bon, c'est pas comme ça que je voulais finir avec l'attaque hyper absorption, mais je l'ai pas réussi. Cela dit, je l'ai fini pratiquement avec une... attendez. PV supérieur à 80%, vous voyez. Ça va être un moyen excellent d'avoir des points supplémentaires lors de nos missions. En tout cas, les amis, nous, on va se laisser là pour cet épisode. Ça fait 37 minutes qu'il dure, normalement un peu plus de 37 minutes, même, je dirais. Donc, eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le format des vidéos est plus intéressant pour vous maintenant. S'il faut que je baisse encore un peu, dites-le moi. Encore une fois, merci d'avoir regardé cet épisode. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les géants. Les gens, pardon. Les géants, les viewers, les géants, ouais, ça y est, peut-être un mélange entre viewers et gens. Salut les gens, et yop!